Toute l'actualité de la chaîne YouTube, tout ce qui s'est passé durant le mois de décembre et ce qui va se passer durant le mois de janvier et aussi ce qui va se passer durant l'année 2019, c'est dans cette vidéo et c'est parti! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans ce vlog du mois de janvier. On est exactement le mardi 8. Ah, j'ai un petit peu tardé hein, cette fois-ci. Hein. Allez, la faute aux fêtes de fin d'année. Bienvenue à vous, en tout cas, bienvenue à vous que vous soyez là depuis très longtemps, depuis 4 ans que je fais du Warframe sur YouTube, pardon. YouTube tout seul, ça fait déjà des années, ou que vous soyez là que depuis quelques semaines, quelques mois, bienvenue à vous, j'espère que vous avez trouvé ce que vous souhaitez à travers la chaîne et les vidéos que je vous propose. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, voilà, vous avez l'espace commentaire pour justement vous exprimer à ce sujet-là, si vous attendiez une vidéo, si vous trouvez ça dommage que je traite tel sujet, peut-être pas forcément aussi loin, je sais pas. N'hésitez pas, les commentaires, je les lis. Voilà. Si c'est un commentaire positif, négatif, tant qu'il est construit, je le lis et je prends plaisir à vous y répondre, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant les semaines précédentes? Eh oui, parce qu'il y avait un programme sur le vlog du mois de décembre, parce qu'il a été justement honoré, eh bien, partiellement. Partiellement pour diverses raisons. Le Pimp My Build, il est sorti. Du coup, ça doit être le deuxième épisode ou le troisième avec la nouvelle formule, c'est-à-dire 6 armes ou Warframe, voilà. Donc, si vous avez une demande de build à faire sur un pimp, patientez un petit peu, parce que le prochain, notamment, on va suivre dans pas très longtemps. Il y a eu deux Warframe Reviews qui sont sortis, la première sur Garuda et la deuxième sur Baruk, la Warframe qui est sortie plus vite que son ombre. À proprement parler, elle n'était pas du tout prévue, enfin sinon pas autant que Garuda ou que les autres ou que les précédentes, mais sortie très très rapidement en tout cas. Donc deux Warframes qui ont des styles plutôt totalement opposés, qui sont tout à fait rassurantes sur la capacité de Digital Extremes à nous sortir des Warframes sans cesse intéressantes d'un point de vue gameplay avec des pouvoirs qui sont sans cesse renouveler, ce n'est pas une réédition de tel pouvoir, de tel Warframe qui est sorti déjà depuis des lustres. Donc c'est toujours très intéressant. Deux Warframe Review qui étaient. Alors je sais pas s'il y en avait deux qui étaient promises, mais au minimum il y avait la Warframe Review de Garuda qui était prévue et qui est sortie. Vidéo sur les MOA modulaires. Et oui, si on continue sur Fortuna, et il y a encore d'autres sujets d'ailleurs. Sur Fortuna. Parmi les topics divers sur Fortuna, il n'y en a qu'un seul qui est sorti, c'est-à-dire les modes de 7. Et encore, il y en a un autre qui est sorti avec la partie 2 de Fortuna. Et oui, les modes de souche. Ça, c'est un autre set qu'il va falloir un petit peu aborder, cette fois-ci tout seul. Ouais, parce qu'on va pas revenir sur les 4 sets, 3 ou 4 sets, bref, sur les sets qui existent déjà sur Fortuna. La vidéo sur la préservation des espèces n'est pas sortie, la faute aux multiples annonces qui ont été effectuées à travers le Deathstream, comme quoi il va y avoir d'autres espèces à chasser, il va y avoir d'autres petits objets, et ce n'est pas fini d'ailleurs, ce n'est pas fini. Ils ont prévu, je crois, d'autres manières, je crois, de chasser, d'autres façons, je vais pas trop m'éterniser sur cette question-là parce que je vais pas vous dire des bêtises, mais ils ont prévu de encore un petit peu enrichir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas fait autant de pataquès sur le minage et sur la pêche. Voilà. La préservation des espèces, ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu particulier. Ah bah oui! C'est parce qu'il y a des pluches. Forcément. Donc, préservation des espèces, ce n'est pas encore terminé. Mais, je ne sais pas pour autant, je spoil un petit peu le programme. Je pense que je vais sortir quelque chose en janvier sur la préservation des espèces. S'il y a d'autres choses qui vont venir, je ferai une vidéo un petit peu extension. C'est un petit peu comme les zoos. Les zoos, il y en a 3 vidéos dessus. La vidéo un petit peu basique, une vidéo un petit peu avancée, et lorsqu'ils ont rajouté encore d'autres pièces dans les eaux, je fais encore une vidéo. Donc là, je vais quand même pouvoir vous sortir quelque chose ce mois-ci. Le Prime Pack de Mesa est sorti, oui, bien entendu. La Warframe Review sur Mesa, je crois pas. Non. Je sais pas si elle est encore prévue, mais il y a d'autres Warframe. Je vais encore vous spoiler le programme, mais il y a eu d'autres Warframe qui ont reçu des reworks, et je pense notamment à Nyx et à Titania, qui vont peut-être davantage prendre le pas sur une réédition de la Warframe Review sur Mesa. Voilà.
C'est pas si mal, hein. On a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos, oui, effectivement. Tout à fait raisonnable. Ah là là. Bon, ben, nous allons passer aux 4 topics sur lesquels je souhaitais parler avec vous aujourd'hui. Bonne année. Ah là là. Oh là là, ça va être encore quelqu'un qui va vous dire bonne année, bonne santé. Et la santé, c'est le plus important, voilà. Sandek, c'est ça, hein. C'est ça. Ah bah oui. Il n'y a que lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte à quel point c'est précieux. Voilà. Et la santé, c'est quelque chose qui est vraiment très précieux, avec certaines personnes qui comptent beaucoup pour nous. Voilà. Donc il faut toujours garder ça en tête. Garder en tête qu'il y a des choses qui sont très très précieuses, des personnes qui sont très précieuses pour nous. Et la santé qu'on a envie aussi de garder le plus longtemps possible avec nous, ouais. Et puis bien entendu, avec la santé, vous faites bien sûr, vous avez toute l'énergie pour faire ce que vous souhaitez. Et je vous souhaite de remplir tout ce que vous avez prévu, tout ce qui vous tient à cœur de mener vos projets. Je sais pas, un diplôme ou quoi que ce soit. Je souhaite de tout cœur que vous réussissiez dans vos projets. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, on va enchaîner sur la question, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau en 2019? Alors, je vais pas forcément trop m'attarder sur trop vraiment le contenu de tout ce que j'espère. Je vais vous parler principalement de YouTube, de Warframe, en 2019. En termes de contenu, en termes de rythme, en termes des relations publiques, on va dire, et de la Téno VIP, point d'interrogation, parce que... Oh là là. Voilà, que de sujets très intéressants. On va commencer par le contenu. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont apparaître. Ça, c'est, j'ai envie de dire, normal. C'est ce que j'avais fait en 2018, mais c'est un petit peu le quotidien d'une chaîne. C'est qu'il y a des choses qui doivent apparaître, des choses nouvelles qui doivent apparaître, des choses qui doivent disparaître aussi, des choses qui ne me plaiserait plus en premier de faire, ou des choses qui seraient un petit peu plus essoufflées, voilà, ou des choses à ressortir peut-être éventuellement, je ne sais pas, mais voilà, le contenu doit vivre, le contenu doit évoluer, le contenu doit se renouveler, et il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas grand chose qui va trop évoluer, par exemple les Warframe Review. Je fais évoluer le contenu de la Warframe Review souvent, voilà. Il y a eu pas mal de choses qui ont évolué en 2018 sur les Warframe Review, que ce soit... alors ça, je crois que ça doit venir peut-être avant 2018, mais notamment l'absence aussi du Fashion Frame sur les Warframe Review qui a été retiré, l'ajout des spectres, avoir retiré les trois types de builds que je vous propose et de focaliser sur quelque chose qui est plus thématique, qui a plus un rôle, quelque chose qui soit moins débutant, enfin les trucs débutants et experts que je proposais, c'est vrai que c'était souvent la même chose, voilà, souvent, ouais. En même temps, les modes les plus intéressants, en général, ne bougent pas des masses. Donc voilà pour ce qui est du contenu. En termes de rythme, je vais pas vous dire que je vais me caler forcément sur un rythme précis, quoique. J'avais essayé durant l'année d'essayer de tendre vers un rythme de 3 vidéos par semaine. Parfois c'est possible, par exemple cette semaine ça sera possible parce qu'il y a des vidéos qui sont relativement simples. Par exemple une vidéo blabla, j'ai juste à me demander qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter, par exemple, c'est très rapide. Par contre si je fais une vidéo, une Warframe Review notamment, il y a plein de choses à faire. Il y a à voir tous les pouvoirs, qu'est-ce que j'ai à dire sur tel ou tel pouvoir, qu'est-ce que j'ai à dire sur les spécificités, certaines le spectre notamment, qu'il faut que je passe du temps un petit peu là-dessus, il faut que je passe du temps aussi sur le build que j'ai à vous proposer, qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer en build. Bref, c'est un petit peu plus riche quand même, et je pense que c'est tout naturel d'ailleurs, c'est un petit peu plus riche qu'un vlog tel que je le fais en ce moment même. Côté rythme, je me suis dit, en fait, je vais pas aller vers le haut, je vais aller vers le bas, en fait. Je me dis, au moins, en fait, assurer 2 vidéos par semaine, et c'est déjà pas mal, en fait. Je vais pas essayer de tendre vers plus, et au risque de me frustrer, en fait, et de me dire, ah, ben, finalement, j'ai pas réussi à en faire 3, j'aurais pu en faire 2, et puis finalement, j'en sors qu'une seule, tu vois. Ça, c'est... je crois que c'est le scénario le pire. Par contre, 2 vidéos... C'est tout à fait raisonnable en fait. Je me rends compte que c'est un rythme qui est pas si mal que ça. Et au final, ça doit être peut-être plus élevé que ce que je peux faire à l'heure actuelle en fait. Je m'assure en fait à un rythme peut-être inférieur à ce que j'ai
peut-être envie à l'origine, mais au moins c'est un rythme que je peux assurer. Sur la question des relations, ça c'est quelque chose que j'ai plus ou moins déjà démarré en fin 2018. Ça c'est pas un mystère je pense pour tout le monde. Warframe c'est un jeu qui est ultra communautaire, il y a plein de gens qui en font. Et c'est vrai que sur 2017, début 2018, j'ai pas forcément fait plus que ça d'efforts, alors que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'ailleurs au tout début lorsque je commençais Warframe en 2015, enfin à faire du Warframe sur YouTube, encore une fois, c'est d'aller un petit peu à droite à gauche, de discuter avec les gens, d'échanger, voilà, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins perdu avec le temps, et peut-être aussi, à vrai dire, avec les événements, ça je ne le cache pas. Voilà, le privé rentre bien entendu en compte, hein. Le privé est toujours là, en toile de fond, mais n'est jamais très loin. Donc peut-être que ça, c'était aussi à cause de ça. Mais voilà, j'ai un petit peu remis un petit peu le pied à l'étrier là-dessus. Alors ça veut pas dire que je vais mettre des efforts de ouf dessus. Par le passé, je vais pas mettre de nom ou quoi que ce soit, c'est vrai que parfois on s'investit avec des personnes. Voilà, on s'investit avec des personnes en vidéo, etc. Et puis ces personnes-là, au final, arrive à délaisser. Par contre, il y a d'autres personnes qui s'investissent sur Warframe et qui s'investissent durablement. Et donc, c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de faire un petit peu plus de choses. C'est-à-dire, lorsque je dis faire un petit peu plus de choses, c'est collaborer ensemble dans des vidéos, je sais pas, faire un petit peu plus de débats. C'est quelque chose qu'on a déjà un petit peu commencé à faire, que j'ai commencé un petit peu à faire. Que j'ai un petit peu tâté le terrain là-dessus, voilà. Sur le débat qu'on avait eu sur le HL, le très HL, le endgame qui s'est passé sur Twitch fin d'année 2018, c'est quelque chose qui est totalement renouvelable, totalement intéressant à renouveler, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qu'on est capable de faire tous ensemble, j'ai envie de dire. Donc voilà, et puis c'est bon pour tout le monde, voilà, c'est bon pour moi, c'est bon pour la personne en général, et c'est bon pour vous de voir des nouvelles têtes notamment, de voir des personnes qui ont d'autres habitudes de jeu, qui ont peut-être d'autres Warframe favorites, voilà, par exemple, parce que à ce jour quand même on a vraiment, je pense, un petit peu trop de Warframe pour être en capacité de toutes les jouer, chaque mois. À proprement parler, il y a des Warframe que j'ai du mal à ressortir, à vrai dire. C'est... Il y a mes Warframe habituels, et puis c'est vrai que il faut faire un certain effort pour en ressortir certaines, à vrai dire. Toutes valent le coup d'être jouées, c'est pas tellement ça la question. Mais encore faut-il faire l'effort de les ressortir. Donc voilà, donc avis aux créateurs de contenu. Je vais pas dire sérieux, c'est pas bien de le dire ça, mais si des créateurs de contenu qui ont envie de s'investir, je vais pas dire sérieux, mais plus dans le sens sérieux, dans le genre qui ont envie de faire des choses, voilà. Pour moi c'est ça le sérieux, c'est les gens qui ont envie de faire des choses et envie de faire des choses bien, voilà. Surtout ça, voilà. C'est avec plaisir que j'accueille ces personnes là et qui sont d'ailleurs, qui savent déjà ce que je pense d'eux notamment, voilà. J'ai déjà pas attendu ce moment-là. J'ai pas attendu la bonne année, la nouvelle année, pardon, pour un petit peu faire ça. J'ai envie de dire, j'ai déjà commencé fin 2018 à faire ce genre de choses, mais c'est à développer encore. Je vais pas dire, c'est un effort à faire. C'est une habitude à se donner de manière durable au fur et à mesure du temps. Toujours garder les copains à portée. Ouais, c'est un petit peu la bonne formule, je dirais. Et puis la Téno VIP. Alors pourquoi je parle de Téno VIP? Parce que c'était un événement, de toute façon, toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là se sont accordées à dire que c'était plus qu'un événement de foufou, c'était génial, quoi. Il y a des choses à faire avec ça, voilà. Il y a des choses à organiser, il y a des gens qui ne sont peut-être pas venus, il y a plus de la moitié, je pense, des personnes, oui. C'est pas je pense, ça a été confirmé. Il y a plus de la moitié des personnes qui sont pas venues. C'est un petit peu dommage. Donc pourquoi pas un petit peu motiver les gens à venir en faisant un petit peu plus qu'une soirée. Voilà, peut-être qu'il y a matière à un petit peu étoffer, à faire quelque chose en marge de la Téno VIP, mais qui serait un petit peu synchrone et un petit peu complémentaire à la Téno VIP. Je pense que ça serait tout à fait faisable. On n'a pas d'infos à l'heure actuelle, on devrait peut-être en avoir prochainement, entre le mois de janvier et le mois de mars.
généralement on a l'emploi du temps de Digital Extreme sur un petit peu les voyages qu'ils vont faire à l'étranger, est-ce qu'ils comptent se rendre dans tel ou tel pays pour telle ou telle convention. Voilà. Donc j'espère que Paris sera encore retenu. Voilà. En même temps, voilà, c'est l'Europe, hein, c'est un petit peu moins facile. C'est un petit peu plus onéreux, je pense, aussi pour eux, même si ils l'ont déjà fait une fois. Et que vu la soirée qu'ils nous ont offert, je pense aussi qu'ils ont tout à fait les moyens. Donc j'espère qu'on les reverra en 2019. Voilà. Et qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses tout autour de l'Athéno VIP, je n'en dis pas plus. Allez. La partie 2 de Fortuna est sortie. Et avec ça, plein de choses. Et encore. Il va y avoir la partie 3, la partie 4. Parce que s'ils comptent justement mettre des orbites au fur et à mesure, eh ben on peut arriver jusqu'à la partie 4, et éventuellement au-delà. Je sais pas s'il peut y avoir Nefanyo, le boss final, avec plein d'orbites à côté. Non, bref. Peut-être une partie 5 de Fortuna, je ne sais pas, peut-être. On verra. Il y a encore plein de choses à vivre sur Fortuna. Plein de choses à vous proposer comme contenu, et c'est vrai que ça va animer tout le mois de janvier, sans vous trop vouloir spoiler le programme de ce mois-ci. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Des bonnes choses, voilà. Des bonnes choses à vous partager. Et puis, sans parler de Fortuna, parce qu'il y a bien sûr Red Jack, qui est plus ou moins associé sur Fortuna, c'est après. Je pense que ça sera après toutes les parties de Fortuna. Red Jack est tant attendu, et c'est vrai que... Bah vous savez, hein. Vous savez qu'il y a une... vous savez qu'il y a une Théno... blablabla, j'ai oublié. Bref, une TennoCon, voilà, une convention, con. Une TennoCon qui arrive moitié de l'année, enfin plutôt sur le mois de juillet. Et avec ça, il y a pas mal de choses qui vont être révélées par la même occasion. Donc du coup, on espère beaucoup de choses. Encore une fois, cette année, ils nous ont fait pas mal de surprises. Beaucoup de choses, beaucoup de possibilités qui sont déjà passées en 2018, en 2019. J'espère que l'on va avoir beaucoup de choses, encore une fois. Allez, partie suivante. La refonte des loadouts, ça je vous ai dit ça il y a quelques minutes, que c'était un petit peu compliqué de jouer un petit peu toutes les Warframes, et c'est pour ça que je me suis dit, allez, nouvelle année, on va casser tous les loadouts. Ouais, presque, il y en a certains que je dois quand même utiliser, qui me sont encore utiles à l'heure actuelle, mais que je vais peut-être délester à terme, peut-être pas tout de suite. Donc du coup, je vous invite à aller dans la description, juste à côté des liens Utip, etc., vers le haut de la description en fait. Il va y avoir un lien vers le sondage, non, peut-être juste après le lien Utip dans la partie « Qu'est-ce qu'il y a dans ce vlog ?» justement. Donc il y a un sondage où vous pouvez vous exprimer sur une, obligatoirement une, deux ou trois, si vous avez un petit peu plus de... d'idées, voilà, de propositions à me faire, jusqu'à 3 Warframes que vous pouvez me suggérer, et bien sûr ce sont les 10, j'en prends 10, donc ça va être assez large, les 10 premières Warframes qui seront citées, hormis s'il y a déjà un loadout avec cette Warframe particulièrement, seront choisies, et vous pourrez, notamment pendant les lives, voilà, pendant les lives que je fais sur Twitch, notamment je vais pouvoir les ressortir un petit peu plus régulièrement, peut-être ces Warframes que je ne sors pas super souvent. Par exemple, Nyx ou Kong, Titania, ça fait un bail que je ne l'ai pas joué, tiens, aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vauban, j'ai peut-être déjà cité. Atlas, ça fait un petit bout de temps aussi que je n'ai pas joué. Bref, les Warframes qui valent le coup, qui valent le détour. Donc voilà, ouais, je vous invite à voter. Poup, dès maintenant, et puis d'ici la fin de semaine, je pense que j'aurai déjà cassé tous mes loadouts et que j'aurai déjà commencé à en faire de nouveaux, ouais, avec de nouvelles armes. Bon, les armes, c'est moi qui choisis, voilà. Mais tout ce qui est Warframe, je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec toutes les Warframes, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez suggérer ce que vous avez envie. Nous allons terminer cette vidéo, ce vlog, par la revue des tipeurs et des sub Twitch et de Utip. Mais Utip, c'est plus un compte parce que je ne connais pas. Utip, c'est totalement anonyme, donc je n'ai pas la possibilité de vous nommer, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient à la fois. Mais c'est à vous de voir. Et puis le programme du mois de janvier, quand même, dis donc. Allez, le plus important, c'est la revue des tipeurs et des sub Twitch. Et pour ça, on va disparaître. Ici, voilà.
Oh là là. Vous êtes fous les gens d'être aussi nombreux. Bon, il y a eu un rush Tipeee aussi, forcément. Donc 99 tips, 445 utipeurs en décembre et 81 subs. Mon dieu, donc il y a grosso modo dans ce vlog 99 plus 81, je vous laisse faire l'addition, mais on dépasse allègrement les 150 noms à citer, et nous allons un petit peu chauffer la voix, faire péter les cordes vocales, parce que c'est parti. Merci à Elas, merci à Alcool Tabac, merci, hop là, merci à Luraza, merci à Amboise, merci à Anthony, merci et bienvenue à toi Bal72. Merci à Banchesterios, bienvenue à Captain Flantier. Merci à toi Cernunos et bienvenue à Cetra. Merci à toi, merci à vous, merci à Bal, merci à Captain Flanté, merci à Cetra. Vous êtes tout neuf, merci à vous de votre soutien sur, sur Tipeee, ouais je crois que c'est ça, oui, les subs après. Merci à Juju, merci à Circa, merci à Clément du Sud, merci à Cyril, merci à Damip, merci à Décon d'Elite, merci à David Bull, merci à Doug Advice, merci à FSN, bienvenue à Hello sur Tipeee, on va y arriver. Merci à toi Erinar Blaze, merci à et bienvenue à toi Farfadé, merci à Fran, bienvenue à Freddy Shop, merci à toi pour ton soutien, merci à Fridan, merci à Fumble, merci à Golgot7, merci à Greld, merci à Hadge et bienvenue à toi sur Tipeee. Alors je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont en tips par mois, mais quoi qu'il en soit, je redirai votre nom le mois prochain et puis le mois suivant si vous êtes encore là. Bref, c'est normal. Merci à Radvulkan, merci à Lusiveman, merci à Hypiton. Tout va bien. Je me suis dit, oula, je suis en train de prononcer mal, mais non, ça va. Merci à toi James, merci à toi Jay, merci à Jérémiel. Merci à Jérémiel et bienvenue à toi sur Tipeee. Merci à Jitou, merci à Jotunia, merci à toi Camille Ryu et bienvenue à toi sur Tipeee, Camille qui nous a rejoint sur le rush Tipeee d'ailleurs. Merci à toi Kaudalan, merci à toi Korava, bienvenue à toi Kikachu et merci à toi de ton soutien, merci à toi Crate, merci à l'âme céleste, merci à Le Jaune et bienvenue à toi, merci à Léandris, coucou et coucou à Loire aussi, voilà les copains de clan. Merci à toi Loukik, merci à toi Lucas, merci à toi MacDeg78, merci à toi Maui, merci à toi Mathieu et bienvenue à toi sur Tipeee, merci à Matcharivari, merci à toi Médéric, merci à toi Mofitoro2, merci à toi MousseX et bienvenue sur Tipeee et merci à toi, merci à vous d'être présent parce que la plupart des personnes qui sont en vert ce mois-ci ont rejoint suite au rush Tipeee et sont présents sur Twitter. J'ai dire sur Twitter, non, sur Twitch. Sur Twitch, lors de mes lives, justement. Lors des lives que je fais régulièrement. Un petit peu moins ces temps-ci, parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire en début d'année. Mais tout va bien. Merci à toi, Naïva Deschan. Merci aux deux Nicolas. Nicolas. Je vous pense bien à vous, les deux Nicolas. Merci à Novan Emrit. Merci à Okenia. Merci à Ponette. Merci à Poupa8. Merci à toi, Quentin. Merci à toi, Rafi. Merci à toi, Raphaël. Merci à toi, Réjean. Merci à toi et bienvenue à toi Reapers. Bienvenue ou... non, je crois que c'était là, le mois dernier, bienvenue, bref. Bienvenue à toi Salami de Combat, parce que c'était un petit peu long, et je me suis dit, ça je m'en souviendrai forcément que c'est le Salami de Combat, donc pas de souci. Bienvenue à toi, merci à toi de ton soutien. Merci à toi Sao Black, merci à toi Saris 85, pourquoi j'ai dit 85 89, dis donc. Tant j'ai mes lunettes sur moi, hein, sur mon nez. Hein. Bienvenue à toi Sébastien et merci à toi de ton support sur Tipeee. Merci à toi Serzen, merci à toi Shears Beron, merci à toi Shedoran, merci à toi Shido Gakuzai, merci à toi Shikari, merci à toi Skullkid, merci à toi Skydox. Du premier coup, ouais, je suis passé. Merci à toi Slynumbar, merci à toi Squall, merci à toi Starbunker, merci à toi Street Baka, merci à toi Sucré, merci à Super Toto, merci à toi Thames. 59. Merci à toi Tokoyaku, merci à toi Tony Magic et bienvenue sur Tipeee, mais bienvenue à toi aussi Toody49, merci à toi et bienvenue à Ulu. Ah, la première personne avec un U sur Tipeee, je crois. Merci à toi Vaxpartan, merci à toi Vindodouce, merci à toi et bienvenue Vekamel sur Tipeee, merci à Wallen, merci à Wow9, bienvenue à toi Yacine et merci à toi Yvan du Rêve, bienvenue à toi Zach Nictel, voilà,
Stargate qui arrive, dis donc. Les bons souvenirs. Merci à toi Zéphirion et merci à toi Zerachi. Vous êtes pas mal à être tout nouveau. Bah oui, notamment lié au rush Tipeee qu'on a fait sur le mois de décembre, justement sur la fin du mois de décembre. Voilà, donc rendez-vous sur la vidéo spéciale Tipeee. Cette vidéo est prévue dans très très peu de temps. Oula, oui, on continue avec les subs. Ouf, je pensais qu'on était parti sur autre chose. Mais merci à toi, AdriMike81, sub à nommer. AdriMike, merci à toi, Amael12, merci à toi, Armogène1989, merci à toi, Oldur99, merci à toi, Bal722, à mon avis, 72 était déjà pris, je ne sais pas. Badarbles, merci à toi, merci à BigKPS. Merci à toi Camisio, merci à toi Captain Flantier, merci à toi Selendil. Merci à toi Juju, merci à toi Cronien, merci à toi Crotal79, merci à toi Daldwin, merci à toi Derpy Aura 115, merci à toi Dioxide, merci à toi Divirsen. On va y arriver, on respire. Dirvis. Dir. Oh, non, il n'y a pas de R. Divirsenra. Souffle, on respire. Merci à toi Drake, merci à toi FSN, merci à LSX, merci à toi Hello, merci à toi Ethaniel, merci à toi Freddy Shop, merci à toi Garakura. Oh là là, on va y arriver. Après autant de noms, effectivement c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver. On va y arriver, toujours dire les noms des personnes qui soutiennent la chaîne, toujours, toujours. Garakurozaki-kun, on va y arriver. Un petit peu la fatigue. Merci à toi Gagoun29, merci à toi Goum, merci à toi Adj87, merci à toi iCool2999, merci à toi Kabuto, Kabuto qui est un don, je crois, c'est un gift de sub. Mais merci à toi quand même, voilà. Merci à toi d'avoir participé. Merci à toi Kaudalan, merci à toi Cortagus, merci à toi Lassai. Sai. Merci à toi le jeune, merci à toi Léandris, merci à toi Leta, merci à toi Lozel34, merci à toi Morales, merci à toi Mildrek, merci à toi Morky, mais oui, merci à toi Morphy Station, ouais, comme la PlayStation, tu vois. Oh, je sais pas, s'il faut pas mettre d'accent, n'hésite pas à me le dire en commentaire, voilà. Merci à toi Mustang, merci à toi Mirar, merci à toi Nap Gaming, merci à toi Nexi. Merci à toi Nizonours, merci à toi Nico Jet, merci à toi Allswin, merci à toi Urugno, merci à toi Outrider03, oui on va y arriver, merci à toi Patateo, merci à toi Ponette, merci à toi Raikuntak, je ne sais pas, merci à toi Raomei, merci à toi Raoulboss59, merci à toi Ryushi, merci à toi Salut ça va mec, tout va bien, ben ça va bien justement. Merci à toi Shinjuku83, merci à toi Skilloff, merci à toi Skydox, merci à Snow, merci à SPCNB, merci à toi StoneyDev, merci à toi Thallium, merci à Tenax330, merci à TheDarkSios, merci à toi TomHD64, merci à toi Torgal, merci à toi Tozuga, merci à TrinityLenny, merci à toi Valro... On va y arriver. Valro Coron. Ouais, ça va. Merci à toi Varandodous, merci à toi VKML, merci à toi Vico, merci à toi Villebrequin, merci à toi Vodka, merci à toi Voodoo Coma, merci à toi Viper, merci à toi Alba, XX Alba, donc on simplifie Alba. Merci à toi Zadim, merci à toi Zerachi et merci à toi Zirax68. Alors, à quoi ça sert tout ça, Utip, Tipeee, et aussi, à quoi ça sert de sub? Ouais, à quoi ça sert de sub? Vous avez les liens, d'ailleurs, pour Utip et sur Tipeee, vous avez aussi le lien pour aussi être au courant des lives sur Twitch. Vous avez le lien pour Twitch, tout simplement, dans la description. À quoi ça sert? Où va l'argent des abonnés, etc. Mais non, vous n'êtes pas forcément abonné, à vrai dire. Mais où va tout cet argent-là? Il est divisé en trois. Il y a une partie qui est mise de côté une première fois en cas de pépin informatique et notamment en vue parce que je commence un petit peu à peiner parce que bien sûr Windows 7 va bientôt être voilà, de l'histoire ancienne. Donc nous allons bientôt passer, je vais me refaire une configuration je pense, peut-être
peut-être cette année ou pas, je ne sais pas. Sur Windows 10, ouais. Un petit peu plus adapté aux vidéos sur du montage, peut-être, davantage. Je vais faire un petit peu attention à ce genre de choses pour la prochaine config. Ce PC qui va avoir bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, qui va avoir bientôt 4 ans quand même. Ouais, 4 ans de bons et loyaux services et sans bug. Et ça, c'est cool. Il y a un tiers qui va pour lorsque j'ai besoin d'acheter un petit matériel complémentaire, notamment l'éclairage, notamment le matériel complémentaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir déjà? Oui, tout ce qui est utile à mes vidéos, au stream notamment. Voilà. Et puis la dernière partie qui va, en termes alimentaires, à proprement parler, sur laquelle je ne touche pas, peut-être pas forcément, parce que je suis pas trop du genre à dépenser, donc généralement je ne dépense pas plus que ce que j'ai, et c'est déjà pas mal à vrai dire. Ouais. Merci à vous tous en tout cas, merci à vous de votre soutien qui est chaque mois passé toujours plus fort, toujours plus présent. Utip, ça vient en ce moment, à vrai dire. Il y avait une grosse période de pub durant le mois de décembre, durant les trois premières semaines. Là, en ce moment, si je dois vous parler de janvier, ça serait un petit peu plus lent, à vrai dire. Mais voilà, n'hésitez pas à passer sur Utip si vous n'avez pas forcément l'envie de passer sur Tipeee. Voilà, vous pouvez passer 30 secondes sur... Pardon, excusez-moi. Voilà, vous pouvez passer 30 secondes sur Utip, ça fonctionne. Ouais. 30 secondes de votre temps et vous ajoutez 5 centimes dans la cagnotte. Vous allez dire que c'est rien, mais si tout le monde joue le jeu, ça ne fait pas rien du tout. Loin de là. Merci à vous tous en tout cas de votre soutien. C'est chaque mois avec plaisir que, même si c'est compliqué, même si c'est dur, c'est toujours avec plaisir que je prends le temps de vous citer à chaque vlog, vous qui êtes là mois après mois, tout simplement. Et j'espère que l'on va continuer tous ensemble, parce que la participation, c'est dans les deux sens, c'est de moi vers vous et de vous vers moi, voilà, tout simplement. On a toujours une participation mutuelle dans tout ce qu'on fait, surtout sur Twitch en particulier, ouais. Peut-être un petit peu moins sur YouTube, parce que c'est pas simultané comme échange, bien entendu, mais voilà. Merci à vous d'être présent et... j'ai envie de dire que ça continue le plus longtemps possible. Ouais. Le programme. Bah oui, vous êtes peut-être venu pour ça. Hein. Voilà. Allez, classiquement, le Pimp My Build va forcément arriver. Ouais, il y en a un par mois. Donc, il va arriver très prochainement cette semaine. Il va y avoir de la Warframe Review. Alors, je ne vous dis pas combien. Je pense que 2, ça serait un chiffre tout à fait raisonnable. Au minimum 1, ça serait déjà pas mal. La vidéo sur le preneur de profit, ça sera une vidéo qui sera full montage. Je suis en train de spoiler, mais c'est pas grave. Je n'ai pas forcément à cœur de faire un PowerPoint classique. Je vais faire une vidéo plutôt de type court, ouais, parce que je pense pas que ça nécessite franchement plus que ça. Et ça sera un petit peu plus agréable à suivre, je pense, qu'une vidéo sur ce sujet-là et qui prendrait, je pense, 8, 9, 10 minutes, voire même peut-être un petit peu plus. Donc, vidéo 100% montage pour le preneur de profit. Classique pour la préservation, pour les kit guns avancés, pour les amplificateurs. Et ouais, il y a des amplificateurs qui sont accessibles à... Des nouveaux amplificateurs, pardon. Il y a trois ensembles de Prism, Support et Atel qui sont sortis avec Fortuna Partie 2. Et ouais. Donc, du coup, je me suis dit... Je crois qu'il est temps de reparler des amplificateurs et on va tous... justement les reprendre, c'est-à-dire les classiques, ceux sur Cetus, ceux qui sont sortis quelques temps après, je pense un petit peu plus d'une année après, il y a un ensemble, c'est-à-dire un Prism, un Support et une Atel qui sont sortis après coup, et là nous en avons trois supplémentaires, donc ça vaut le coup en fait de refaire une vidéo un petit peu plus complète et aussi un petit peu enrichie avec d'autres questions, notamment quels sont les amplificateurs pour les Dolons, quels sont les amplificateurs qui seraient utiles pour faire du PVE notamment, enfin du PVE classique en mission. Voilà. Il y aura peut-être, je pense, je vais essayer en tout cas de le faire, du moins un nouveau type de vidéo, je vous spoil pas le genre, mais vous allez dire, oh, c'est bien. Enfin, je pense, j'espère, voilà, il y a des personnes qui regrettaient cette absence dans une certaine vidéo, voilà. Ouais, je laisse des indices un petit peu à droite à gauche, voilà. Donc on va aborder ce sujet-là, ouais.
Mystère. N'hésitez pas à spéculer dans la description. Dans la description, non, dans l'espace commentaire, on va y arriver. Et la spéciale Tipeee Utip, les subs Twitch, je pense que je vais aussi les intégrer dedans. Bref, les supporters de la chaîne Twitch ou YouTube vont avoir leur vidéo spéciale, comme promis, après le rush Tipeee. Oui, bah, voilà. Et notamment expliciter voilà, combien fait le rush Tipeee, et notamment un petit peu plus loin, un petit peu plus longuement, qu'est-ce qui va se passer en 2019. Ah là, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous saviez tout ce que les tipeurs savent... Non, je déconne. Ils savent des choses. Ils savent un petit peu plus de choses, en tout cas. Les passages sur Twitch, j'ai fait cette vidéo à l'arrache, on dirait, parce que j'ai même pas déplacé l'icône, tiens. C'est les jeudis, les vendredis, généralement. C'est pas exclu que ça démarre un petit peu avant, mais c'est vrai que c'était plus récurrent ces derniers temps que ça commence vers 11h30. Mais grosso modo, le créneau de base, c'est midi 14h. Parfois, ça va un petit peu plus loin, 14h30, 15h. Parfois, ça commence un petit peu plus tôt, du genre 11h30, 11h45. Mais voilà, c'est la pause midi sur Warframe et c'est le stream habituel. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à découvrir les autres vidéos de les différentes playlists, pardon. Parce que si je vous conseille les autres vlogs, et les vlogs, je sais pas, du mois de... du mois d'octobre 2016, je suis pas certain que ça vous intéresse des masses. Ça serait rigolo de regarder quand même. Mais pas très conseillable. Et encore une fois, et ça c'est une question qui m'est arrivée d'ailleurs en privé sur Facebook, parce que... alors. Je vais un petit peu éclaircir ça parce que vous voyez les icônes de Twitch, de Facebook et de Twitter. Je ne réponds pas aux messages privés, que ce soit in-game ou Twitter ou Facebook ou Twitch, lorsqu'il s'agit d'une question qui est liée à Warframe. Pourquoi ? C'est très simple à comprendre. Lorsque vous me posez une question sur telle ou telle chose sur Warframe, par exemple, sur Garuda, s'il y a une autre personne qui m'envoie aussi un MP et qui me pose la même question ou quelque chose d'assez similaire, il va falloir à chaque fois que je réponde. Tac, 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 je réponds. Donc, le plus utile pour tout le monde, c'est de poser directement la question sur YouTube, sur la vidéo qui est concernée, comme ça, j'y réponds. Et les personnes qui sont un petit peu curieuses des questions qui auraient pu être posées sur Garuda, par exemple, à titre d'exemple, eh bien, ils auront, en fait, la réponse, sans même la demander. Donc tout le monde y gagne du temps, vous et moi, tout simplement, à procéder de cette façon-là. Ensuite, il y a des questions sur lesquelles qui sont un petit peu plus privées, et c'est en général celles que je réponds, si... voilà. Les vidéos sont toutes libres de partage, tout simplement. Il y a une personne qui m'a dit, oui, je fais du contenu aussi, je voudrais livrer les nouveaux joueurs, est-ce que je peux partager tes vidéos, est-ce que je peux les citer? Bah, bien entendu. Bien entendu. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas tolérée, c'est de copier la vidéo et de la re-uploader telle qu'elle. Ça, c'est quelque chose... et en plus, sans citer. En citant peut-être, éventuellement, mais j'aimerais bien qu'on prévienne un petit peu avant. Mais si c'est pour partager, si c'est pour parler sur ce support-là, etc., et de citer l'auteur, alors tout est fait dans les règles de l'art et il n'y a aucun souci là-dessus, tout simplement. Vous êtes libre de faire... ce genre de choses, voilà. Pas tout, mais voilà, ce genre de choses, il n'y a pas de souci, tant qu'on cite l'auteur, généralement, il n'y a pas de problème. Merci aux tipeurs, merci à vous de votre soutien, mois après mois, encore une fois, vous êtes très important pour la tenue de la chaîne, et puis son avenir, voilà, et on se donne rendez-vous très prochainement. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau tipeur aussi, et nouveau tipeur mensuel, surtout, n'hésitez pas, vous avez un article, enfin une news sur la page Tipeee qui s'appelle « Je suis tipeur, que faire maintenant ?» et vous avez le lien vers Discord notamment, et qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à Tipeee, grâce au sub Twitch, et puis éventuellement, j'espère que ça va sortir sur Utip, de pouvoir soutenir sur Utip et accéder au grade de supporter sur... supporter. Anciennement, ça s'appelle Tipeur notamment, mais je vais changer ça en supporter très prochainement. Voilà. Vous savez tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo quelque peu longue, bientôt 40 minutes, mais vous connaissez, c'est un petit peu habituel. Il y avait beaucoup de gens à citer et c'est pas un mal. Voilà.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, vous avez aussi l'espace commentaire pour vous exprimer. Merci à vous d'avoir suivi. Portez-vous bien, farmez bien sur Warframe. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao tout le monde.